Francis, t'as une voleuse. Francis, mais crie, casse ton téléphone, fais quelque chose, t'as eu la voleuse, Francis. Si toi aussi tu veux participer à la protection des truites, n'oublie pas de t'abonner, d'activer les notifications et de lâcher ton plus beau pouce bleu. Les tweets et tweetages, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Clash Royale. Et pour cette vidéo, on est très très chaud. Là, on sort d'un petit after stream très très long. On a fait du PUB. J'espère que vous avez kiffé en commentaire. Si vous étiez présent, faites le savoir en commentaire. Et là, on attaque tout simplement un pack opening de qualité avec énormément de coffres, des vidéos issues de pack opening d'abonnés. Donc, on va découvrir ça ensemble. On espère un paquet, un maximum de légendaires pour ce coffre, pour ce pack opening. Si vous kiffez, faites-moi péter les pouces bleus. On va se dire un objectif, allez, de 3000 pouces bleus. Ça fait longtemps que j'ai pas donné d'objectif, donc vous me faites péter ça. Et dites-moi en commentaire le pack opening que vous avez préféré parmi les 3 pack opening qu'on va voir. On va avoir 3 comptes, 3 pack opening. Vous me dites votre préféré. Pour l'instant, je ne sais pas, on va découvrir tout ça ensemble. Les amis, on attaque tout de suite. Alors, on va commencer avec Clem Solo. Clem Solo, il est chez Team Tweet. Et on voit au programme un coffre légendaire, un coffre épique, un coffre géant, un coffre magique, le coffre à coucou, le petit coffre gratuit. C'est parti, mon kiki. Ok, coffre en bois, c'est parti. Alors, je vais encore baisser un peu le son. Un mini PK. Ok. 12, gang de gobelins. Il va enchaîner avec le petit coffre à coucou. 600. 15 pièces, 41 777 pièces au total du coup pour mon petit Clem Solo. 3 gemmes, on enchaîne avec 6 chevaliers, 2 pompeurs de jus, 7, 3 mousquetaires et 67 gobelins. J'avais pas vu les petits gobelins lance qui manquaient. Il va avoir de l'épique, du géant, du magique et du légendaire. Putain, il en a du coffre le Margoulin, il en a. Moi ça fait longtemps que j'ai pas eu des coffres comme ça. Alors je me permets de replacer la petite cam, on est là. Ok, petit bouliste. Pour ce petit coffre géant, 33 tours à bombe, ça c'est moche, niveau 5, on voit qu'il l'a pas amélioré. Waouh, 294 gangs de gobelins, regardez, il en a 4000 de côté. Il en a beaucoup. Alors il va enchaîner avec quoi? Coffre épique, je suppose. Ouais, coffre épique. Ok, un clonage. Il enchaîne avec 3 fûts à gobelins et 3 tornades. Ah, c'est pas fini. 13 bourreaux, oh c'est nice. C'est nice. 37 sur 50, c'est plutôt nice. Allez, le petit coffre magique ici. Oh, le coffre de clan. Le coffre de clan, j'avais pas vu, les gars. 1620 pièces. Ok, on enchaîne ici avec 32 chevaliers. 45 canons. Ok. 53 squelettes. Il a quand même beaucoup de communes. 8 golems de glace. 111 portugais. Je crois qu'il manque des rares. Ah! 19 cabanes de gobelins et on termine avec 2 tornades malheureusement. Ça ne suffit pas, ça ne suffit pas. Allez, on passe au coffre suivant. Coffre suivant, mon petit Francis, qu'est-ce qu'il va nous ouvrir? Un coffre magique, ici ça part avec 620 pièces, ça part de là. Un golem de glace, oula ça part mal. 11 portugais super saiyan, on enchaîne avec 3 béliers, 33 bombardiers, 51 portugais, 20 géants et on termine avec... Un coffre légendaire pour finir les amis. Coffre légendaire, alors qu'est-ce qui lui manque? Il lui manque la voleuse, dernière carte. Allez chercher. 3, 2, 1. Non. Électro sorcier. Et malheureusement ça ne paye pas encore. Merci à toi mon petit Clems YOLO pour ce pack opening. Et on passe tout de suite au pack opening suivant. On est avec puissance 212 du clan PK évolue. Alors qu'est-ce qu'il nous a réservé? 2 coffres en or, un coffre magique, un coffre légendaire et 2 coffres en bois. Alors pour l'instant Clem Solo, t'es en tête. T'es en tête. On va voir le suivant. Alors qu'est-ce qu'il a à nous réserver ici? Ok, golem niveau 5 quand même. Hein. Un bon petit golem niveau 5. Comment tu fais pour avoir golem niveau 5? Waouh. T'as dû demander que des golems tous les dimanches, je pense. Ouah, il lui manque énormément de cartes comme on le voit ici. Beaucoup de légendaires. Et ça commence avec un petit coffre en bois tout de suite. Les 3 moumous. On enchaîne avec 11 barbares d'élite. Ok, petit coffre gratuit, donc tranquille. Ici, ça enchaîne avec un autre coffre. 92 pièces, un golem de glace. Et on termine avec 11 mouches. Donc pas de légendaire dans le coffre gratuit pour l'instant. Pas de légendaire. Allez, on va tempo. Le coffre en or, ok. 214 pièces. 4 gangs de gobelins, 10 portugais, 18 squelettes et 3 TDE. Ça suffira pas. Il enchaîne avec le deuxième coffre en or, du GR, du portugais Super Saiyan, 3 mini PK qui va pouvoir passer level 6. Putain, il a géant niveau 5 et ah ouais, il a dû avoir beaucoup en fait de golems dans un coffre super magique, je pense. C'est pour ça. Ok, le petit coffre de clan ici. C'est parti pour ce coffre de clan. Alors, 1008 pièces. On enchaîne avec 10 hordes de gargouilles.
2 tours à bombe. Ah, c'est pas bon ça. C'est pas bon du tout. 2 TDE. Une épique qui se perd comme ça. Un petit garde. 13 mousquetaires. Et on va terminer avec les communes. 140 esprits de feu. Il est pas très folichon ce petit coffre. Pas très très de folichon. Allez, il reste les deux plus gros coffres. C'est maintenant. Ça part de là, mon Gaël. Ça part de là, mon petit Gaël. Le coffre magique des pièces du portugais Super Saiyan. Du zap. C'est pas mal ça, le zap. Du mini PK. PK qui vous. Mini PK qui va pouvoir passer level 6. Ça va être pareil pour ce bélier de combat. On enchaîne avec 61 gangs de gobelins. Et non, il va manquer des épiques. 11 cabanes de barbares. Et 3 Arkix. Et du coup, bah, je crois qu'il ne reste plus que le coffre légendaire. Allez, j'espère que tu as débloqué une légendaire, Francis. S'il te plaît, la bonne. Oui, monsieur. La voleuse. Yes. Je suis content pour toi. Oh, la screenshot. On a vu la screenshot. Il est content, Francis. Il est content. GG à toi, mon petit. Puissance 212, il nous montre son profil maintenant, 3056 trophées, avec un petit golem niveau 5, t'as raison de jouer golem, continue avec ton golem, et encore merci à toi, donc le clan PK évolue, voilà la petite description si jamais vous voulez join. On va passer du coup au dernier pack, opening les amis, c'est parti. Alors là on a du sang, on va peut-être avoir une réaction de sa part, en direct, on entend des bruits, on va regarder un peu ce qui se passe derrière, tiens. Ok, il est en train de s'astiquer la merguez là, j'entends. Oh Snapchat, le meilleur est en train d'écrire. Allez c'est parti, pack opening. Ok, une requête, le meilleur. Ah, il est en train de se faire snapper par le meilleur. On le voit quand il scroll. Il est pas content, je crois. Ok. Ah, il vient d'ouvrir juste un coffre en bois, il est pas content. Après, ça ressemble un peu à moi, hein. Moi aussi, je suis pas content. Ok, 8 coffres géants. 60... N'hésitez pas à m'envoyer comme ça vos coffres et vous les ouvrez avec vos réactions. J'aimerais bien que vous me fassiez kiffer et vous m'envoyez ça par mail. C'est leur 9 pack opening avec votre voix. Et comme ça, on rigole ensemble. Je pense que ça peut beaucoup plaire. Donc faites-moi péter un maximum de pack opening avec votre voix derrière. En mode, vous réagissez un peu à ce que vous avez. Et faites-moi rêver, les amis. Alors ici, on a 13 méga gargouilles, 141 mortiers. Donc c'est le coffre de clan. Et on termine avec 2 miroirs. Ok. Ok. On va voir s'il va garder son calme. Là, j'aimerais limite qu'il drop aucune légendaire. Quoique, s'il a une légendaire qu'il a pas, il va péter un câble. Il souffle, hein. Je crois qu'il est pas très content pour l'instant. Il est un peu en dépression, peut-être. Et c'est pour ça qu'il a que des mauvaises cartes. Faut être positif, mon ami. Faut être positif. Alors là, on a eu du bélier, du barbare et des petites mouches. Un autre coffre géant ici. 100, 1600 pièces. Une rage. 31 Kirikou. Ok, non, je pense juste qu'on l'entend respirer, en fait. Ah non, c'est un bruit de fond. Derrière, ok. C'est quelqu'un qui doit faire la cuisine. Sûrement Jacqueline. Allez, 707 pièces. On enchaîne avec 6 barbares. 12 gangs, 2 gobelins, 22 géants royal, 48 gobelins lance. J'aimerais bien l'entendre crier d'un coup. Oh. Oh. Ah non. Allez là. Allez là, Francis là. Mon petit Skyblocks là. Du clan Parano Chest. Ah, ok, il va nous montrer les légendaires. Oh, il lui manque que la voleuse. Il lui manque que la voleuse. Mais putain, t'es bien. Allez, go la voleuse. Go la voleuse. Ça part de là. 4160 pièces. 18 mouches. On enchaîne avec 130 squelettes. 131 flèches. 246 électrocutions. 136 cochons. Oh. Allez, allez. Elle est la stress. 22 ballons. Oh. Il réagit pas. Francis, t'as une voleuse! Francis! Really, nigga? Mais crie, casse ton téléphone, fais quelque chose! T'as eu la voleuse, Francis! Non, il s'en bat les couilles! Ok, merci à toi, en tout cas, Skyblox. Faites-moi rêver, en tout cas, avec des vidéos pack opening où j'entends votre petite voix. La meilleure qualité possible, si c'est pas une bonne qualité, je pourrais pas l'utiliser. Et bah, je prendrai un maximum de pack opening pour la prochaine vidéo qui sortira, je pense, ce week-end. Et ce que je vous propose tout de suite, c'est de passer sur un gameplay avec un petit deck cimetière poison. C'est parti. Et mes petites tweets, on est de retour. Alors, comme vous le voyez, on a une offre spéciale qui clignote. On va aller chercher ça ensemble quand même. On va aller se faire plaisir, nous aussi, notre petit pack opening à nous. On va déjà commencer par ces petits coffres de type merguez. Ok, une petite TDE, 12 gangs de gobelins, c'est nice. On enchaîne ici avec le petit coffre en or, 268 pièces. Un bélier de combat, une valkyrie, deux cabanes de gobelins et on termine avec toutes les communes, 37 canons. Allez, on termine avec la petite offre spéciale 3, 2, 1. Oh non, non, c'est le défi de la mousquetaire. C'est le défi de la mousquetaire. Parce que je vous propose, c'est d'aller essayer le défi de la mousquetaire avec... Ah, mais ça doit être un défi du tirage, du coup. Eh ben, on va se faire un petit défi de la mousquetaire. 50, eh, ça fait cher. Hein. Je vais pas acheter pour l'instant, je vais attendre peut-être pour plus tard. Ah merde, j'ai un défi classique, du coup, rip. Bah, on va aller tester le deck en défi classique. Donc voilà le deck. On va rester, du coup, sur le cimetière poison dont je vous ai parlé. Deck très efficace que j'ai trouvé dans le deck top deck, qui est dans la
description, non il est pas dans la description, mais de mes lives. D'ailleurs n'hésitez pas à venir en live ce soir, il y aura 4 tournois 2000 gems les amis. Donc c'est pour vous ce soir à 21h ici même, donc sur ma chaîne YouTube pour le live. Et donc là on va jouer donc un cimetière poison avec donc le bouliste, le chevalier, on a bébé dragon, l'électro-sorcier, la petite tornade. On a vraiment tout ce qu'il faut pour faire le taf. Et bah, ce que je vous propose c'est de passer tout de suite à l'action pour le voir un petit peu. C'est parti donc pour cette game, on est contre Non-Stop Evil du clan Turks 5. Alors on s'est chié sur la game d'avant, j'ai fait n'importe quoi, je m'étais pas échauffé. Je vous ai toujours s'échauffer les nageoires avant une game. Ouh, lui il est agressif. Il est très agressif. Ouh là là, le spawn de squelette là il est terrifiant. Ok, on a l'électro-sorcier, on a le bébé dragon, on a tout pour défendre. On a absolument tout pour défendre tout de suite. Le chevalier ici devant pour protéger ce petit sorcier de type EDF. On a les archers qui ont été drop, on va pas jouer notre cimetière. Ok, joue bûcheron. Le bûcheron qui devrait être géré, on va pas jouer le poison. On va vraiment économiser notre élixir au maximum pour la prochaine attaque qui elle devrait faire mal. Allez, un petit coup. Ok, pas mal. Pas mal. Alors on va partir sur un bouliste fond de map tranquillement. Ok, intéressant. Du coup ça va pas être fond de map, ça va être ici Francis. Allez hop, il n'y a plus de coquine et on part tout de suite sur le cimetière. Alors j'ai vu qu'il avait un mineur, un cimetière, j'ai pas vu beaucoup d'autres choses. Là maintenant, on pack tout là-bas. Allez, allez. Mais oui monsieur, avec le bouliste et la tornade ici, juste terrifiant les amis. Regardez la tour qui prend tarif, 749 points de vie. Ça, c'est le de la tornade les amis, hein. De la tornade de qualité. Ok, le mineur, ne panique pas. Boum. Oh non, il allait derrière. Ok, ok. Bon, c'est pas grave. Le sorcier EDF ici qui va prendre la tour. Il part tout de suite sur princesse de l'autre côté. La tour qui tombe, les amis. Alors ici, est-ce qu'il y a moyen de... Non. On va pas tenter un truc. On va tempo. Donc j'ai plus que 1276 PV à droite. Faut que je fasse très attention à ça, les amis. Alors la petite princesse ici qui va m'arriver en pleine bouche. Et on envoie tout de suite là le bouliste. Le petit bouliste. On va tempo. Ah, ça c'est plutôt mal joué. Je trouve. Donc on part tout de suite sur un poison ici. On n'a pas le temps. Le petit chevalier en plus. Histoire d'assurer ça. On regardait le cimetière de l'autre côté. Ici on a l'électro-sorcier. Et c'est défendu les amis. C'est parfaitement défendu. Ok, il part de l'autre côté lui. C'est pas mal ça. On va mettre les petits squelettes en plus pour support. Et c'est géré les amis. Ok, on va jouer la bête maintenant. Vous êtes chaud? 3, 2, 1, maintenant, on y va. Allez hop. On lui donne une tour, on s'en fout, on lui prend la tour. On la lui prend les gars. Voilà la tour qui tombe, on va drop tout de suite un chevalier quand même pour gérer cette princesse. Allez. La petite tornade. Allez, allez, allez. Oh attention, l'électro-sorcier, c'est le GG. Yes, il m'en prend aucune les amis. Le 2 couronnes avec donc ce cimetière poison. Donc j'avais trouvé sur le site Deck Pro Shop, un site que j'avais présenté en vidéo. Et vraiment donc il est très très sympa, c'est pour ça que je voulais vous le présenter. N'hésitez pas à laisser, dites moi un petit peu vos retours en commentaire. J'attends également un maximum de vos packs opening dans ma boîte mail. Pack opening avec vos réactions. Et bah, ce que je vous propose c'est de vous retrouver à 21h pour le tournoi à l'ancienne avec 4 tournois 2000 gems. Et bah sinon je vous donne rendez-vous très très vite pour une nouvelle vidéo mes petits trucs.